Bonjour tout le monde, c'est Ti. On se retrouve aujourd'hui pour les gens du talent et on va aller voir ça de suite. On va commencer avec une petite scène, un désert nature, décoration de set. On va voir ce que ça donne. J'aurais peut-être dû prendre. Je vais colorer. Alors attendez, c'est où le. C'est comme ça. On va mettre le sable pour mieux voir. Voilà. Donc c'est des petites scènes toutes mignonnes de nature. Vraiment, oui, c'est ça, des petites scènes mignonnes de nature. Alors peut-être que c'est un peu plus enfoncé du coup ça, genre comme ça. Voilà. Bon, je vais pas le faire à tous, mais vous avez compris le délire. C'est pour aller plus vite si vous n'avez pas d'inspiration, si vous voulez aller vite, vous avez des petites scènes comme ça, qui sont mignonnes, moi c'est bien réalisé. Oui, j'aime bien. Je valide, ça c'est mignon. Ensuite, ah vous allez voir capture d'écran prise tout le temps, hein, je vous le dis. Parce que je prends en fait les captures d'écran en même temps que je présente le produit. Oh là, il y a plein de pièces là. Waouh, ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Et ça, c'est quoi? House in the countryside. Countryside. Donc, petite mise. Oh, wow. Le niveau de détail. Le niveau de détail est vraiment très très beau. J'adore. C'est magnifique. Là, on a une sorte de petit box. Et là, on a une tour. C'est avec quoi? C'est un phare? Non, je pense pas que ça soit un phare. Mais c'est vraiment très très beau. J'adore les petits détails là. Oh, franchement, bravo. Il est très très beau. On continue avec. Oh, ah oui, alors ça, j'ai vu ça, je fais What? Qu'est-ce que c'est que ça? Berel Loon. Donc je pense que c'est un jeu de mots avec Saloon. Où grosso modo, en fait, vous pouvez commander là-dedans des boissons. Donc là, café. Et là, des hamburgers. Et ça doit être les toilettes. D'accord. Et donc, c'est des tonneaux. C'est plutôt stylé, hein? Ils sont vraiment très très beaux. Moi, j'aime beaucoup. C'est très original. Ça sort du lot. Et il y a même une petite maison pour les oiseaux là. Ça sort du lot, c'est vraiment tip top. Ah, il doit avoir un sacré paquet de. Ouais, 1416 morceaux pour faire ça. C'est énorme. Mais ça rend vraiment bien. Moi j'aime bien les petits trucs à thème comme ça. Je trouve ça assez sympa. On va continuer cette fois avec Lonely River Church or Lost Soul. The Church of Lost Soul is stone from the desert. Donc. Oh. Oh. Elle est très très mignonne. Très jolie. Et voir l'intérieur. Ouais, l'intérieur. Oh. Eh bien, cher frère. Eh bien, chère sœur. Après, je sais plus la reste de la chanson. Chantez avec moi tous en cœur, je crois. Mais très très joli. Ah, ça donne un sacré style en fait. J'aime beaucoup. Le double toit là est très sympa aussi. Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté double toit.
Avec le petit clocher qui fait plaisir aussi. Franchement propre. On a les jardinières sur le côté, les vitraux aussi. Non mais franchement très très belle. Très très belle église. Je valide à 200% cette église. Je valide. Et pour finir, on a un truc de fou. On a une mosaïque d'un serpent en couleur. Alors on va le mettre à la lumière comme ça. Et regardez ça. Alors, de près c'est bizarre, de loin ça c'est beau. De près ça va encore, mais punaise, poser pièce par pièce, il y a combien de pièces là? 1085, 108 et 592. C'est quand même énorme, il faut une patience de fou. Et surtout réussir à reproduire les motifs par-ci par-là, c'est vraiment très très bien. Franchement, les gens ont vraiment énormément de talent. Je trouve ça assez hallucinant. Moi, j'avoue que je suis épaté quand je vois ce genre de création. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais écoutez, après cette petite semaine de repos où on a vu le DLC, reprendre, ça me fait trop plaisir. Et surtout, je découvre des choses folles. Ça, c'est magnifique. C'est une excellente idée, ça c'est une excellente idée, magnifique. En fait, tout est magnifique, quoi. J'en ai pas oublié un, là? 1, 2, 3, 4, 5. Bah si, j'en ai moins oublié un. Ah bon? Ça non, ça. Ah oui, la petite maison là. Voilà, pour finir, il y a celle-là. Je l'ai prise parce que ça me rappelait trop une petite maison. Bah, y avait plein de jardins et tout, c'était trop adorable. Attendez, je peux rebaisser. Et donc, c'est des vendeurs dedans. Hop, on va mettre de la terre. On a les vendeurs, et puis là, on a les petits chemins. Là, c'est pour aller à la salle de repos. C'est vraiment très, très mignon. J'aime beaucoup. Regardez, on a des petits papillons, un petit lapin. On a des alvéoles avec des petits sables. Non mais j'adore, c'est trop mignon. Le petit hôtel insecte et tout. Et la maison est très mignonne aussi, avec beaucoup de déco. C'est vraiment stylé. C'est vraiment très très stylé. Et moi j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Voilà. Donc là on a bien les 6. Et je suis hyper content de reprendre la série. Car ça m'avait manqué de voir le talent des gens. Ouais, c'est parfait. Bref, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!